Voilà. Normalement, vous êtes censé bien voir mon écran à ce moment-là. Alors, moi, malheureusement, vu que je vous présente mon écran, je ne vais pas voir ce qu'il se passe sur le chat, ni également voir vos visages si vos caméras sont allumées. Donc, j'ai mon collègue Mathéo qui est sur le chat actuellement, qui pourra répondre donc à vos questions lors de la présentation. Donc, quelques petites règles pour que tout se passe bien. Donc là, je crois qu'on est à peu près une quarantaine. Je vous invite désormais à couper votre micro donc en bas. Donc n'hésitez pas à le couper, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas d'interférence lors de la présentation. Si jamais vous voyez que ça bug un petit peu de votre côté, dans ce cas-là, je vous inviterai à couper votre caméra. On ne sait jamais, hein, ça peut, au niveau de la bande passante, en effet, être un petit peu gênant. Et puis, comme je vous le disais, mon collègue Mathéo sera sur le chat pour répondre à vos questions tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, c'est également en bas de votre écran. Voilà. Donc, l'objectif de l'atelier. Du partenariat tout d'abord, pardon. Donc si aujourd'hui cette présentation, cette formation, elle est assurée dans le cadre du partenariat entre Hello Asso et Intersport. Donc si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous, en effet, que vous êtes également vous-même partenaire d'Intersport, et puis que, ou sinon que vous êtes tout simplement une association sportive. Et donc là, en effet, cette formation s'adresse donc à tous les clubs sportifs qui sont sur Hello Asso et ou qui sont également partenaires d'Intersport. Donc le but, c'est de proposer à toutes les associations qui sont partenaires d'Intersport, la solution de paiement gratuite de Hello Asso, et donc de les accompagner de A à Z dans la prise en main de nos outils. Donc Hello Asso, donc nous on est bien donc la solution gratuite des assos et des clubs pour recevoir des paiements sur Internet. Bon, ça vous le savez déjà a priori parce que vous êtes ici, et si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà inscrit sur Hello Asso et que vous avez déjà potentiellement commencé à utiliser nos outils. Comme vous le savez, hein, je vais revenir assez rapidement sur le fonctionnement d'Hello Asso. Donc, on est gratuit, pas de frais, pas de commission. Hein, c'est un modèle économique alternatif qu'on a choisi de mettre en place lors du lancement d'Hello Asso il y a 11 ans. Aujourd'hui, donc, toutes les sommes que vous collectez sur Hello Asso vous sont versées en intégralité sur votre compte bancaire. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission. Ça, c'est pareil, je vais revenir dessus par la suite, parce qu'aujourd'hui, on va plus parler de collecte, on va parler de financement participatif. Sur Hello Asso, il n'y a pas non plus la règle du tout ou rien, c'est-à-dire que même si votre objectif financier n'est pas atteint au niveau de votre objectif de collecte, vous serez bien évidemment tout de même reversé de tous les dons qui vous ont été faits. Donc voilà, donc pas de frais, pas de commission, je vous paye 10 euros, vous serez versé en intégralité des 10 euros. En fait, ce sont les personnes qui vont vous faire des paiements qui pourront, si elles le désirent, laisser quelque chose en plus pour Hello Asso au moment de faire un paiement pour vous. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue, on vient juste de démarrer, donc on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Dans tous les cas, vous recevrez demain, normalement demain matin, entre 9h et 10h en général, vous allez recevoir la présentation complète que je vous partage aujourd'hui sur mon écran. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les ressources. Donc sur Hello Asso, nous avons donc plusieurs outils. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons nous concentrer plutôt sur le crowdfunding, hein, sur le financement participatif, mais on a également d'autres outils. Vous avez donc le formulaire de dons classique qui vous permet de collecter des dons à l'année pour financer toutes vos activités en général, pour également mettre un petit peu du beurre dans les épinards au niveau de vos ressources financières, qui est vraiment différent du crowdfunding, hein, on le verra tout à l'heure. Vous avez également l'outil de billetterie que peut-être que vous avez déjà été amené à utiliser. Si jamais vous organisez des événements au sein de votre club, au sein de votre asso, vous pouvez gérer vos billetteries via Hello Asso, que ce soit de la billetterie d'ailleurs gratuite ou payante, hein, les deux sont possibles. Et puis également, peut-être un outil que vous avez utilisé aussi pour faire de la boutique en ligne. Voilà, la billetterie vous sert aussi à vendre, si jamais vous êtes amené à vendre du matériel, des équipements, etc., à vos joueurs, à vos adhérents, à vos bénévoles, à vos supporters, etc. Tout ça, c'est possible de le vendre via la billetterie. Vous avez le formulaire de vente qui vous permet d'encaisser rapidement des paiements. Par exemple, une personne doit vous régler pour X ou Y raison une somme de 50 euros. Vous allez utiliser l'outil de vente pour
Voilà, lui faire un formulaire à 50 euros, comme ça, quand elle arrivera sur ce formulaire, elle vous réglera donc ces 50 euros-là. On peut un peu l'assimiler, si vous voulez, à un outil de TPE en ligne, une machine à carte en ligne. Et bien évidemment, l'outil d'adhésion et cotisation en ligne que vous utilisez peut-être déjà également sûrement pour pouvoir gérer les paiements de vos cotisations par carte bancaire et donc en ligne. Quelques chiffres clés. Donc Helloasso, ça fait 11 ans qu'on existe, hein, ça commence à faire quelques années déjà. On est 70 salariés aujourd'hui. On a bon, ce chiffre, je crois, qui a un petit peu bougé, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit être un peu plus de 140 000 associations et clubs inscrits sur Helloasso qui utilisent nos outils, avec plus de 3 millions de personnes qui ont fait des paiements pour ces associations-là. Et aujourd'hui, on a collecté plus de 300 millions d'euros pour toutes ces associations, pour tous ces clubs, ces fédérations, ces comités, ces ligues qui nous utilisent pour gérer donc le paiement de leurs activités. Donc les objectifs de cet atelier, donc ça va être tout d'abord de vous présenter le financement participatif. Voilà, qu'est-ce que c'est? En anglais, crowdfunding. Je pense que vous avez déjà dû entendre ce terme dans le passé. On en parle de plus en plus hein, depuis les années 2000. C'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé. On va également, je vais également vous présenter comment cadrer un petit peu votre projet et donc votre future campagne. Comment mobiliser votre communauté, votre réseau, pour qu'il vous fasse un don. Et puis voilà, je vais vous donner quelques bonnes pratiques également sur ce sujet. Donc je vais tout d'abord commencer avec une idée reçue que vous pourriez également vous avoir de votre côté. Seules les associations caritatives peuvent collecter des dons. Donc non, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on a tendance à croire que ce sont les associations humanitaires ou caritatives qui font des appels à dons et qui reçoivent des dons. Mais c'est faux, hein. Tout type d'association crée des campagnes de financement participatif, crée des cagnottes, voilà, des formulaires de dons pour pouvoir financer tout type de projet et pour financer voilà, tout type de projets à venir pour des choses qu'ils désirent mettre en place ou financer. Donc, dans le cadre sportif, hein, plus précisément, pour vous donner quelques exemples de projets qui peuvent être financés via une collecte de dons et un financement participatif, ça peut être tout d'abord essayer d'avoir des ressources en plus pour pouvoir aider votre club pendant cette crise qui dure hein, depuis le mois de mars. On a vu beaucoup, beaucoup de clubs sportifs créer des campagnes de financement, surtout lors du premier confinement, pour pouvoir pallier justement au manque de ressources du fait d'avoir perdu des adhérents, des sponsors, tous les revenus liés à la billetterie de compétition, de tournois, de stages, etc. Donc on a vraiment vu un essor en tout cas de la collecte en ligne sur votre secteur. Ça peut être également pour rénover des bâtiments, rénover un stade, financer du nouveau matériel pour votre club, financer un tournoi, un stage sportif, une compétition. On a vu également par le passé beaucoup de campagnes pour financer des déplacements à l'étranger pour participer à des compétitions internationales, voilà, pour une équipe ou un sportif. On le voit surtout en général lors de la préparation des Jeux Olympiques. On a souvent des clubs qui financent justement la participation pour des sportifs ou des équipes à des compétitions de ce type et qui font justement une campagne de financement participatif pour pallier au manque de ressources financières pour certains postes de budget en tout cas. Donc ça, c'est vraiment des exemples de choses que vous pourriez vous être amené à mettre en place. Donc le financement participatif, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire crowdfunding. Donc en anglais, le crowd, c'est la foule. Funding, les fonds. Donc c'est une communauté qui fait des participations financières dans le but de financer un nouveau projet. Donc comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, ce mode de financement, il est né plutôt dans les années 2000, grâce bien évidemment à l'essor d'Internet. On a vu beaucoup, par exemple, d'artistes se lancer en ayant mis en place une campagne de financement participatif. Par exemple, Christophe Maé, avait sorti un album au tout début de sa carrière grâce à ce mode de financement-là. Non, ce n'est pas Christophe Maé, c'était Grégoire, pardon. Je les confonds toujours. Vous avez
voilà, des entreprises qui vont également lancer leurs activités grâce à ce type de financement-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les associations se sont appropriées ce mode de financement alternatif, hein, qui était, c'est vrai, au départ plutôt mis en place par des entreprises ou par des particuliers qui voulaient financer des choses, des projets. Donc ça passe pas par les circuits traditionnels, notamment donc bien évidemment bancaires, mais en fait le principe c'est vraiment de faire appel à des ressources auprès des internautes pour financer justement ce futur projet. Donc, comme je vous le disais, hein, tout organisme en général peut mettre en place ce type de financement alternatif. Donc en général, qui dit financement participatif dit contrepartie. La contrepartie, c'est ce que vous prévoyez de donner en échange à votre donateur quand il va vous faire son don. Ça, je vais y revenir par la suite, mais c'est quelque chose qui est important. En soi, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé parce que ça peut motiver bien évidemment des personnes à vous faire un don, mais également potentiellement à vous donner plus que ce qu'ils voulaient vous donner à la base. Si par exemple la contrepartie que vous proposez, par exemple pour un montant à 100 euros, est beaucoup plus intéressante que pour un don à 60 euros, et si la personne en a les capacités financières, peut-être qu'elle va se dire, tiens, en fait, je suis plus intéressée par la contrepartie que je vais recevoir pour un don à 100 euros, du coup, je vais peut-être passer au montant supérieur. Donc ça, voilà, ça, on va y revenir par la suite, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, ce qu'il faut savoir avec le financement participatif, c'est que ces règles de communication, dont on va y revenir par la suite également, vous permet potentiellement de cibler vraiment un public qui va être large. Donc, potentiellement d'arriver à avoir un grand nombre de participations et un montant assez conséquent de dons. Il faut pas partir du principe que c'est quelque chose de simple quand vous allez vous lancer dans ce type de campagne. Il faut que ça soit bien ficelé, il faut que vous ayez bien préparé votre plan de communication, que vous ayez bien fait une liste un petit peu de votre réseau, qui je vais contacter, quand, à quel moment de ma campagne. Voilà, il faut également bien préparer votre page quand vous allez préparer votre campagne. Voilà, faut que ça donne envie, il faut séduire quelque part vos potentiels donateurs. Donc, il y a trois étapes, grosso modo, pour la préparation de ce type de campagne. Donc, avant de lancer la campagne, donc bien faire le point sur votre projet. Est-ce que vous le maîtrisez vraiment? Est-ce que vous savez quels sont ses tenants, ses aboutissants, qui sont les preneurs de projet, qui va intervenir, à quel moment, quelle est l'équipe qui va porter ce projet-là que vous voulez financer? Donc, ça, c'est tout d'abord la première question à bien vous poser. Et puis, bien cadrer et préparer, comme je le disais juste avant, votre page. Il faut que votre page, elle soit, donc, comme je disais, attrayante visuellement. Donc, pourquoi pas préparer du contenu, par exemple du contenu vidéo, des illustrations, des graphiques qui pourraient venir illustrer votre projet et votre besoin en financement. Voilà, donc ça va être vraiment la phase de préparation avant le lancement. Pendant votre campagne, c'est là où vous allez mettre en œuvre votre stratégie de communication et d'animation. Votre stratégie de communication, elle va dépendre bien évidemment des actualités générales, surtout en ce moment, me direz-vous, mais également des actualités dans votre propre secteur. Voilà, par exemple, vous avez, je sais pas, vous savez qu'au mois d'avril, vous avez quelque chose, voilà, dans le secteur du tennis ou par exemple du football qui va se passer. Donc, vous vous dites, voilà, vu qu'on va potentiellement parler de ce secteur-là pendant cette période-là, peut-être que c'est le bon moment, moi, club, pour lancer ma campagne. Voilà, ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser. Et puis, voilà, essayez de, bien évidemment, si ça rentre dans votre timing, essayez de lancer, en fait, votre campagne au moment où vous pensez que c'est le mieux, au niveau, en tout cas, de votre secteur. Il va falloir aussi penser aux personnes qui pourraient potentiellement être ambassadeurs de votre club, de votre sport également, lors de votre campagne. Ça, on va y revenir par la suite, mais ça va faire partie des choses qu'il faudra lister et bien préparer. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faudra bien lister un peu votre réseau, votre communauté, qui contacter et quand, des personnes qui peuvent potentiellement vous amener beaucoup de donateurs, il faudra vraiment réussir à les intégrer pleinement dans une stratégie de communication.
Et puis, bien évidemment, il va falloir communiquer en fonction de l'attente de vos potentiels donateurs, des personnes qui vous suivent sur les réseaux. Voilà, ça sera également à bien prendre en compte. Et puis, après votre campagne, qu'elle ait malheureusement échoué, c'est-à-dire si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif ou si vous avez réussi à atteindre votre objectif, forcément, il faudra bien informer vos donateurs de la suite des choses. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans le cas où votre objectif n'a pas été atteint, comme je vous le disais, dans tous les cas sur Eloasso, vous recevrez vos dons. Il faudra, savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez utiliser ces dons pour financer une partie du projet? Est-ce que vous voulez, potentiellement rembourser vos donateurs? Est-ce que vous voulez utiliser ces dons pour autre chose? Voilà, ça, c'est des choses auxquelles il va falloir réfléchir dans le cadre où l'objectif n'est pas atteint. Et puis, forcément, en conséquence, contacter les donateurs pour savoir également ce qu'ils désirent faire au niveau de leurs dons. Et puis, si votre objectif est atteint, donnez un petit peu le planning de l'avancée du projet et de sa mise en œuvre. Et bien évidemment, remercier vos donateurs du fait de vous avoir soutenu. Mais ça, en général, quand vous avez une personne qui vous fait des dons, en général, les associations, les clubs, ils remercient directement la personne assez rapidement. Après, ça, c'est pareil, c'est des choses à vous à planifier de votre côté. Donc, au niveau de la préparation et du cadrage, donc ici, on va rentrer un peu plus en détail. Donc, il va falloir bien déterminer quel est le projet, encore une fois, que vous voulez financer. Comme je vous le présentais en introduction, est-ce que ça va être racheter du matériel, rénover un stade, financer une compétition, un tournoi, financer le départ à l'étranger pour une compétition d'un sportif ou d'une équipe? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez financer? Il faut également que ça soit un minimum fédérateur, votre projet, pour qu'il séduise de potentiels donateurs. Si c'est un projet qui est trop restreint en termes d'impact, je dirais, le risque, c'est de pas réussir à fédérer beaucoup de donateurs. Donc, il faut, en tout cas, dans les valeurs que vous allez porter, il faut réussir à trouver des arguments pour pouvoir fédérer autour de votre club et du futur projet que vous allez mettre en place. Autre chose très importante, définir le timing de votre campagne. Bien évidemment, comme je vous le disais, trouver le meilleur timing sur la période de l'année pour lancer votre campagne. À partir du moment où vous n'êtes pas forcément dans l'urgence de la mise en place de ce projet, vous pouvez très bien vous dire, allez, je choisis le meilleur moment pour lancer. Et puis également, combien de temps elle va durer? En général, une campagne de ce type, ça dure entre 1 et 3 mois, en sachant que 1 mois, c'est quand même très court, et 3 mois, voilà, c'est en général ce qui est mis en place. Entre 2 mois et demi et 3 mois. Pourquoi pas plus de 3 mois? Parce que le risque ici, c'est vous de vous lasser, parce que, comme on le disait avant, lancer ce type de campagne, ça va nécessiter du travail de préparation, ça va nécessiter, je vais y arriver, du travail lors du lancement de la campagne, puis lors de sa conduite, en fait. C'est-à-dire que vous allez être amené, à faire des efforts de communication réguliers, et puis, également, remercier vos donateurs au fur et à mesure. Voilà, c'est quand même du travail. Donc, le risque de dépasser les 3 mois, c'est de vous lasser vous, mais également aussi de lasser votre communauté. Vu que eux, ils vont être amenés à voir régulièrement du contenu sur vos réseaux. Si vous communiquez trop longtemps, le risque, c'est que les personnes cessent de vous suivre ou peut-être soit en effet lassées par vos messages. En général, le timing reste quand même de pas avoir trop de temps entre le moment où la campagne se termine et le moment où vous voulez lancer votre projet. Voilà, il faut que ça soit le lancement, en tout cas, le plus proche de la date de réalisation du projet. Et puis, bien évidemment, pour vous, suffisamment tôt également pour vous permettre de vous organiser également. C'est-à-dire que si jamais vous lancer un peu tard et que votre projet, forcément, il se doit de démarrer, par exemple, au 1er juin et que vous lancez votre campagne le 1er mai. Voilà, ça peut être un petit peu short, en effet. Donc, il faut, savoir également vous organiser au moment où vous pensez, en tout cas, que vous serez assez flexible.
L'objectif, donc l'objectif financier, hein, là on parle d'objectif financier de votre collecte, ben bien évidemment, votre objectif, faut il faut qu'il soit atteignable. C'est-à-dire que voilà, je donne toujours cet exemple-là. Si jamais ben, vous êtes un petit club, mais voilà, vous n'avez pas trop de réseau, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent sur les réseaux, vous n'avez pas beaucoup d'adhérents. Si jamais vous faites une collecte où vous demandez 500 000 euros, là clairement, ça va être difficile à atteindre. Donc il faut que votre collecte vous permette bah, de financer votre projet, mais il ne faut pas non plus que ça soit un objectif qui soit trop haut. Parce que si votre objectif il est trop haut, vous allez bah, vos donateurs, le risque, c'est que vos donateurs pensent que dans tous les cas, vous n'y arriverez pas. Donc ça peut freiner à faire un don. Et puis le risque, c'est que vous soyez extrêmement déçu également lors de la mise en œuvre de votre campagne. Donc en général, ce qui est fait, c'est que si vous avez en effet un objectif qui est assez élevé et que vous pensez qu'il n'est pas atteignable, ben, dans ce cas-là, vous allez sélectionner une partie du poste budgétaire à financer. Par exemple, vous désirez rénover votre stade, ça va vous coûter, je ne sais pas moi, 100 000 euros. Mais vous allez vous dire, on va faire une campagne de crowdfunding seulement sur 10 000 euros pour financer tel ou tel équipement ou tel matériau de construction. Voilà. Et puis, trouver d'autres sources de financement hors crowdfunding pour financer l'autre partie bah, du poste à financer. Donc voilà, comme c'est indiqué, ça peut tout à fait être un mode de financement complémentaire. Vous avez beaucoup d'associations qui font du crowdfunding, qui en même temps font des demandes de subventions, qui en même temps voilà, font du mécénat. Enfin, y a vraiment plein de possibilités et ça peut bien évidemment être cumulé. Ce qui est important aussi, c'est de savoir estimer l'apport de votre cercle proche. Ça, je vais vous l'expliquer après, mais quand vous allez lancer votre campagne, vous n'allez pas communiquer tout de suite à tout le monde. Vous allez tout d'abord communiquer aux personnes qui vous sont les plus proches de votre club, de votre association. Ça va être bah, les autres porteurs du projet, votre famille, vos amis les plus proches, ça va être les bénévoles, ça va être les adhérents. Voilà, ça va être vraiment ces personnes-là que vous n'avez en fait pas besoin vraiment d'aller chercher parce qu'elles vous soutiennent déjà ou font déjà partie intégrante de votre club. Et en fait, ces personnes-là, votre cercle proche, normalement, ils doivent vous permettre d'atteindre 10% de votre objectif financier. Donc, par exemple, si vous vous dites, ben, moi, je veux faire un financement pour 10 000 euros, eh ben, il faut en tout cas que votre cercle proche puisse vous amener 1 000 euros, 10% de cet objectif. C'est vraiment important. Également, il va falloir bah, savoir un petit peu quelles sont vos ressources en interne. Est-ce que vous avez des personnes qui sont à l'aise avec les outils de communication? Est-ce que vous avez des personnes qui ont du temps à se consacrer pour pouvoir bah, mettre en place, préparer la campagne et pour la mener également de A à Z pendant bah, les semaines où elle sera en ligne? Parce que voilà, comme indiqué en effet, et puis comme je vous l'ai déjà dit, ça nécessite vraiment une animation régulière. Donc il faut vraiment avoir de la ressource, en tout cas humaine, pour pouvoir la gérer. Également, quelles sont vos ressources en termes de contenu? Est-ce que vous avez déjà des vidéos qui présentent votre club, votre association, votre projet? Est-ce que vous avez le temps peut-être d'en créer une? Est-ce que vous en avez la capacité matérielle également? Parce que bah, est-ce que vous avez du matériel, voilà, une caméra par exemple? Ça, c'est des choses qu'il va falloir également vous demander lors de la préparation. Et puis voilà, ça c'est vraiment des outils qui vont vous permettre bah, d'animer voilà, et de relancer votre communauté au fur et à mesure. Tous ces contenus que vous avez en votre possession, bah, vous pourrez vous dire, bah, par exemple, la vidéo, je vais l'inclure directement dans la page de ma campagne, mais par contre, le graphique qui présente telle ou telle chose de mon projet, ben, je vais plutôt la communiquer une semaine après le lancement de ma campagne, ou voilà, je sais pas moi, vous avez une autre vidéo que vous avez pu filmer lors d'une compétition, ben, vous allez vous dire, ben voilà, cette vidéo, je vais la présenter 2 semaines après le lancement. Voilà, c'est vraiment vous dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque et à quel moment je veux les présenter à mon public et à ma communauté. Au niveau des contreparties, donc on en parlait tout à l'heure, il faut qu'elles soient bien évidemment attrayantes. Il faut également qu'elles varient en fonction du montant du don, c'est-à-dire que vous n'allez pas proposer la même contrepartie à un donateur qui vous fait un don de 10 euros et à une personne qui vous donne 100 euros. Il faut que vos contreparties, elles aient quand même une hiérarchie entre elles.
Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage de la contrepartie, c'est qu'elle peut permettre aux donateurs de pencher pour un don plus important. Je ne vais pas revenir dessus, je vous ai déjà expliqué. Quelques exemples de contrepartie. Donc, une contrepartie, elle peut être soit matérielle, soit d'expérience. En général, ce qui est quand même préféré par les donateurs, c'est les contreparties d'expérience, du type invitation VIP à un événement sportif, invitation à rencontrer l'équipe dans les vestiaires après un match. Ça peut être une rencontre avec un joueur, avec l'équipe, comme je disais, voilà, dans les vestiaires ou à un autre moment. Ça peut être l'invitation au clubhouse après un événement. Ça peut être voilà, un souvenir. Voilà. Donc, du coup, en termes de, là, on était plutôt dans l'expérience, mais en termes de matériel, ça peut être des goodies, des tote bags, des stickers, des casquettes, des maillots que vous pourriez être amené à offrir. Ça peut être aussi un souvenir dédicacé de la part d'un joueur, par exemple. Si jamais vous êtes dans le cadre du financement d'une compétition à l'étranger, ça peut être par exemple d'offrir le journal de bord que vous seriez peut-être amené à écrire lors de votre voyage. Voilà, à vos donateurs les plus ceux qui vous auront fait des dons les plus importants. Voilà, c'est vraiment ce type de choses que vous pourriez réfléchir à mettre en place. Bien évidemment, vos contreparties, elles vont aussi s'adapter à la situation actuelle, hein, c'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas de compétition, etc., il n'y a pas d'événement. Donc, voilà, forcément, proposer une rencontre, ça peut être assez délicat pendant la situation qui est celle qu'on vit aujourd'hui. Donc après, voilà, à modifier, enfin, en tout cas, à adapter en fonction de la situation sanitaire, mais aussi également en fonction de ce que vous êtes capable de pouvoir apporter aussi. Il ne faut pas non plus que vos contreparties vous coûtent cher. Il ne faut pas d'ailleurs qu'elles vous coûtent de l'argent. Il faut que ça soit, il faut que, en tout cas, la contrepartie représente un montant très minime sur le montant total du don de la personne. Donc les trois cercles, c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Vous n'allez pas communiquer à tout le monde en même temps. Vous allez y aller par étapes. Donc le cercle proche, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va être vraiment l'entourage proche du club, des porteurs du projet. Donc ici, le but, c'est donc, comme je disais, d'atteindre 10% de votre objectif financier. Et en général, votre cercle proche, vous allez l'inviter à vous faire un don sur votre campagne. Un petit peu avant le lancement de votre campagne, jusqu'à environ 10 jours après le lancement. C'est-à-dire que, en fait, ça va aussi vous permettre d'avoir une base de dons avant d'aller communiquer à un cercle un peu plus éloigné, le deuxième cercle. C'est-à-dire que, comme il est indiqué, personne va dans un restaurant quand il est vide. Ça donne pas trop envie. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous lancez votre campagne au grand public, sur vos réseaux, etc., tout de suite, et qu'elle est à 0% ou qu'elle est à 1 ou 2% d'objectifs atteints, ça va pas forcément donner envie en fait aux personnes de vous faire un don. Donc là, le but, ça va être vraiment de vous consolider une base de dons pour pouvoir aller séduire d'autres donateurs. Donc ça, c'est le cercle proche. Dès que vous avez atteint les 10% de votre objectif grâce à votre premier cercle, vous allez pouvoir commencer à communiquer un peu plus largement. Mais pas tout le monde non plus, pas au grand public encore. Ça sera le troisième cercle. Donc ici, en deuxième étape, vous allez plutôt communiquer aux connaissances, à vos connaissances, hein, des personnes qui portent le projet. Donc ça va être potentiellement des collègues de travail, ça va être des anciens camarades de classe, les amis des amis, ça peut être les supporters, ça peut être les personnes qui ont un intérêt quelconque, en effet, avec votre club, avec votre cause que vous allez chercher à financer. Et également, toutes les personnes, voilà, qui sont potentiellement abonnées à votre newsletter, abonnées à votre page Facebook, à votre compte Instagram, à votre compte Twitter, si vous avez. Voilà. En fait, ça va être des personnes qui vous connaissent, mais que vous, en retour, vous ne connaissez peut-être pas forcément, ou en tout cas pas très bien, pas aussi bien en tout cas que votre premier cercle. Donc ici, donc à partir des 10 jours du lancement, vous pouvez commencer à contacter le cercle éloigné, et bien évidemment qu'à partir du moment où vous avez atteint 10% de votre objectif.
Bien évidemment, si vous voyez que au bout de 10, 15 jours, vous n'arrivez pas à atteindre les 10% de l'objectif, mais que vous êtes allé entre 6 et 10%, ben dans ce cas-là, vous pouvez en effet passer à l'étape d'après. Il ne faut pas non plus que vous restiez bloqué si jamais vous voyez que ça ne décolle pas. Alors ça, bien entendu, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou à nous contacter par mail. Nous, on sera là pour vous conseiller, bien évidemment, sur ces sujets-là. Donc, comment? Eh ben, en encourageant les donateurs à partager votre campagne sur leur propre page, voilà, à travers les réseaux sociaux, des blogs, des sites, des newsletters. C'est ici aussi que vous allez pouvoir potentiellement aller voir des entreprises qui vous soutiennent peut-être financièrement, des sponsors, peut-être des commerçants de votre ville, de votre village, qui pourraient potentiellement voilà laisser des petits flyers avec le lien de votre campagne. Voilà, c'est vraiment toutes ces personnes qui ont vraiment un lien aussi avec votre club. C'est-à-dire que si vous êtes, enfin, je pense que vous l'êtes tous, mais voilà, si vous êtes en tout cas ancré localement, c'est ici que vous allez pouvoir un petit peu faire marcher votre réseau local. N'hésitez pas également à aller voir votre mairie, si jamais ils peuvent vous donner un petit coup de pouce, partager votre campagne sur leur propre réseau, partager à leur réseau également votre campagne, voilà, dans la mesure du possible de leur côté. Ici, le but, c'est d'atteindre entre 30 et 50% de votre objectif de collecte. Dès que les 50% sont atteints, vous allez pouvoir commencer à aller chercher le grand public. Ici, on parle des inconnus, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre club, mais que vous pouvez potentiellement aller toucher grâce à des relais médiatiques. C'est ce qu'on appelle des relais médiatiques. Donc, ça va être bien évidemment la presse, les médias, des prescripteurs, par exemple, si vous êtes en contact avec des stars de votre discipline, pourquoi pas prendre contact avec eux pour leur demander de relayer sur leur propre réseau votre campagne. Ça peut être aussi entrer en contact avec des blogueurs sportifs, voilà, vraiment tout type de potentiels relais qui pourraient venir vous amener en fait des donateurs étrangers à votre club. Donc ici, en général, ça va être allez, à 3 semaines du lancement, hein, si vous avez vraiment réussi à bien arriver au palier hein, que je vous ai énoncé juste avant. Et donc, comme je le disais, si vous avez atteint 50% de votre objectif. Bien évidemment, encore une fois, si vous n'arrivez pas à décoller, n'hésitez pas quand même à passer à l'étape d'après. Si vous voyez qu'au bout d'un mois, vous stagnez à 40-45% de votre objectif. Voilà, il y a un moment où, en effet, il faudra aussi vous lancer au palier supérieur. Donc, n'hésitez pas voilà, à y aller à ce moment-là si vous sentez que c'est le bon moment pour y aller. Il faudra bien évidemment publier voilà, régulièrement sur vos réseaux sociaux pour mobiliser votre communauté. Et puis voilà, faire diffuser le plus possible votre message et votre collecte grâce voilà, à tous ces relais que je vous ai présentés. Et puis là, le but, c'est d'atteindre votre objectif, mais également, si possible, on l'a déjà vu, c'est possible, aller au-delà de votre objectif. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais à partir du moment où votre objectif est atteint, votre collecte ne va pas se clôturer toute seule. Elle va, de toute façon, être toujours ouverte. Donc, vous pourrez potentiellement continuer à recevoir des dons, même si, votre objectif, est atteint. Et je vous le souhaite. Ici, je vous ai mis un petit exemple visuel d'un exemple voilà, de campagne qui pourrait être amenée à être faite sur Eloasso. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, vous avez la petite bannière en haut que vous allez pouvoir personnaliser. Tout est personnalisable hein, en soi, avec voilà, la présentation du projet, avec des visuels, des vidéos, du texte. Comme je vous le disais, graphique, illustration. Ce qu'il faut savoir, c'est que il vaut mieux privilégier, mais je pense que vous vous en doutez, les visuels au texte. Parce que si vous avez trop de texte, ça va paraître assez lourd visuellement. Et le mieux, c'est voilà, au lieu de lister des choses, faire des tableaux, faire des graphiques, des camemberts. Voilà, ça, c'est des choses qui, à prioriser, en tout cas en termes de mise en page. Encore une fois, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil avant de lancer votre campagne pour que nous, on regarde un peu, en tout cas, si on peut vous donner des petits conseils en termes de mise en page, on sera ravis de pouvoir vous aider à ce niveau-là.
Donc, sur Hello Asso, concrètement, bah, vous allez pouvoir personnaliser complètement votre page. Vous allez pouvoir y mettre votre objectif de collecte avec le petit compteur dynamique qui va se mettre à jour automatiquement dès que des dons seront faits. Donc là, vous voyez, il y a 10 000 euros d'objectif. L'association a collecté un peu plus de 6 000 euros et vous voyez, la petite jauge, elle va se remplir au fur et à mesure avec le pourcentage de l'objectif. On verra le nombre de donateurs sur la campagne et également le nombre de jours restants. Voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments que vous allez pouvoir retrouver également de votre côté. Comme je vous le disais, donc l'objectif, s'il n'est pas atteint, vous récupérez tout de même donc la collecte réalisée. Il y aura aussi visuellement une valorisation de vos contributeurs. Là, on ne le voit pas sur la collecte, mais en bas de la page, vos donateurs pourront, s'ils le désirent, vous laisser un petit message qui sera visuellement intégré dans la page de votre collecte. Donc, tout en bas, vous pourrez voir tous les messages qui seront laissés de la part des donateurs qui seront passés sur votre page. Et également, après, ça c'est au choix du donateur, mais ils pourront aussi laisser, par exemple, visible le montant de leur don, leur nom, leur prénom. Voilà, ça c'est des choses que eux pourront décider de faire apparaître sur la page. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est bien dans le sens où si des donateurs voient des montants qui ont été laissés, voient le nom et les prénoms peut-être des personnes qui auront fait des dons, ben ça leur permet en fait de se projeter aussi et de voir qu'il y a un engouement en fait sur votre page et sur votre projet. On va également y intégrer bah, les contreparties. Dans la grille de dons, les personnes bah, verront, bah, voilà, pour 10 euros, vous aurez ça en contrepartie, pour 20 euros, vous aurez ceci, etc., etc. Tout ce que vous allez intégrer, en fait, sera visible de la part de vos donateurs. Bien évidemment, vous allez récupérer le fichier de vos contributeurs. Vous pourrez tout télécharger sous Excel. Ensuite, vous pourrez venir filtrer, trier vos données comme vous le désirez. Bien évidemment, vous allez récupérer le nom, le prénom de la personne, son adresse mail et puis toute autre potentielle information que vous pourriez être amené à leur demander. C'est-à-dire que nous, Hello Asso, on va par défaut leur demander certaines informations, mais vous pourrez venir rajouter des champs. Si par exemple, vous voulez rajouter une question du type comment avez-vous entendu parler de notre club? Ben ça, c'est quelque chose que vous pourrez rajouter. Vous pourrez rajouter ces champs-là en obligatoire ou en facultatif. Si par exemple, il y a des informations sur vos donateurs que vous voulez vraiment récupérer, ben vous pourrez mettre ce champ-là en obligatoire. Comme ça, vous êtes sûr que la personne ne pourra pas procéder au paiement tant qu'elle n'aura pas, en tout cas, rempli le champ que vous lui avez demandé de remplir. Si jamais vous émettez des reçus fiscaux, vous pourrez émettre automatiquement les reçus à vos donateurs via Hello Asso. Donc, les reçus fiscaux, il n'y a que les associations d'intérêt général ou d'utilité publique qui peuvent en émettre. Si jamais vous êtes dans l'une ou l'autre des situations, vous pourrez le mentionner dans votre compte Hello Asso pour venir aller paramétrer votre modèle de reçu. Et ça sera à vous ensuite à revenir dans la campagne que vous avez créée pour aller dire bah, pour quel montant vous désirez émettre des reçus fiscaux. Voilà, c'est totalement personnalisable et paramétrable également. Attention aux contreparties, en effet. Comme je le disais quand j'ai parlé des contreparties juste avant, vos contreparties, il ne faut pas qu'elles représentent un pourcentage trop important du montant de don qui est fait. En général, on dit que le montant de la contrepartie doit être inférieur à 25% du montant de don. Par exemple, pour une personne qui vous fait un don de 100 euros, il ne faudra pas que la valeur de la contrepartie que vous lui offrez soit supérieure à 25 euros. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses dont on peut vous renseigner si vous avez des questions. Après, moi, je vous invite pour tout ce qui va être vraiment fiscalité à vous rendre sur le site asso.gouv.fr où là, vous allez retrouver plein de ressources concernant bah, les déductions fiscales, les reçus fiscaux. Voilà, qu'est-ce qu'une association reconnue d'intérêt général? Est-ce que je peux émettre des reçus fiscaux ou non? Voilà, tout ça, c'est des ressources que vous allez pouvoir trouver sur ce site-là aussi. Et bien évidemment, vous pourrez voir en temps réel qui vous a fait un don et quand, et puis voir également où vous en êtes en termes de collecte. Encore une fois, quand vous allez préparer votre page, voilà, partez du constat du besoin de financement et racontez voilà l'histoire de votre asso, de votre club, de votre projet. Il faut bien revenir sur l'essence. Pourquoi vous cherchez à financer ça? Pourquoi vous avez besoin d'argent? Pourquoi vous avez besoin de dons et de soutien?
qu'est-ce que vous voulez exactement faire avec ces dons-là? Ça, c'est très important. Il faudra vraiment être transparent. Quand vous allez créer votre page, en général, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire ça sous forme de camembert. C'est de dire, par exemple, dans le cadre de cet asso, par exemple, ils demandent 10 000 euros. Ben, c'est de dire, avec 6 000 euros, on va financer ça. Avec 1 000 euros, on va financer ça. Avec 500 euros, on va financer ça, etc. Il faut vraiment être le plus transparent possible. Comme ça, ça permet vraiment aux donateurs d'être, de se projeter et de se dire, bon, ben voilà, moi, j'ai envie de leur faire un don de 100 euros. Ben, je sais que concrètement, je vais, voilà, pouvoir donner un coup de pouce pour financer ça. Ça, c'est très important. Ça permet, voilà, à la personne de se projeter et de savoir réellement, bah, ce que vous allez faire de son don. Pourquoi vous lancez votre campagne de financement? Bon, ça, je vais pas revenir dessus. Voilà, illustrer, créer des visuels le plus possible, également pour vous démarquer. Voilà, détailler les postes de dépenses et puis voilà, vous appuyez sur vos partenaires, vos sponsors. N'hésitez pas à mettre les logos des entreprises qui vous soutiennent, de vos sponsors. Et puis voilà, quelles sont vos perspectives? C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre campagne, ben forcément, vous allez expliquer ce à quoi l'argent va servir. Mais c'est également, voilà, de pouvoir dire, nous, on se projette, nous, voilà, nos perspectives, par exemple, avec un stade rénové, ben, ça sera pouvoir faire évoluer telle ou telle chose, pouvoir mettre en place de nouvelles choses, pouvoir organiser encore plus de stages, de tournois, etc. Voilà, c'est vraiment imaginer ce que vous allez pouvoir faire. En plus, et également de montrer aux personnes qui vont vous faire des dons, ben, réellement l'implication qu'ils vont avoir au final dans la vie de votre club et de votre asso. Ben, écoutez, de mon côté, j'ai terminé en tout cas la présentation. Du coup, ce que je vous invite à faire, je vais arrêter le partage, comme ça je vais pouvoir vous voir. C'est bah, poser. Alors, ah bah, je vois qu'il y a eu des petites questions en effet sur le chat. N'hésitez pas maintenant à ouvrir vos micros et à poser bah, vos questions si jamais vous ne les avez pas encore posées sur le chat. Et puis, on pourra vous répondre de vive voix. En tout cas, j'espère que cette présentation était claire pour vous, que ça répondait à vos attentes. Donc, voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Et, je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y aurait des personnes peut-être qui auraient posé des questions dans le chat, mais qui n'auraient pas encore eu de réponse à leurs questions? Alors, moi, j'avais posé une question, on vient de me répondre. C'était concernant une fois le... Alors, si la campagne se bloquait, une fois le financement atteint, donc à 100%, est-ce que les donateurs avaient la possibilité de dépasser du coup la campagne de financement élaborée à la base? Oui. Répondu que oui, c'était possible. Oui, oui. En fait, à partir du moment où votre objectif sera atteint, votre campagne, elle ne va pas se clôturer toute seule. En fait, elle va se clôturer le jour où vous l'avez décidé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous dites, bah, moi, ma campagne, je la lance le 1er juin et je veux qu'elle se termine le 30 septembre. Bah, si jamais au 1er août, vous avez atteint votre objectif, bah, elle sera quand même ouverte jusqu'au 30 septembre, votre campagne, et les personnes pourront continuer à vous faire des dons. Donc après, ce qui est intéressant dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est si jamais en effet votre campagne, bah, l'objectif a été atteint avant la date butoir et que vous continuez à recevoir des dons, bah, c'est venir communiquer à vos donateurs bah, qu'est-ce que vous allez faire de ces dons-là qui n'étaient pas prévus. D'accord. Donc ça, voilà, pour encore ce souci de transparence aussi avec vos donateurs, si jamais vous allez au-delà de l'objectif, voilà, c'est d'aller dire bon, bah, voilà, on a collecté l'objectif pour financer ça. Si jamais vous le voulez, vous pouvez toujours faire un don et donc du coup, on pourra encore aller plus loin, on pourra aussi financer ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faudra communiquer en temps voulu, du coup. D'accord, merci pour l'information. Et j'ai une dernière question. Si l'objectif est atteint du coup à 100%, est-ce qu'on a la possibilité de modifier du coup, par exemple, si on établit une campagne pour récolter des dons à hauteur de, je ne sais pas, 10 000 euros et qu'on atteint les 100%, et qu'il reste un mois de campagne, est-ce qu'il est possible du coup d'augmenter oui. La somme? D'accord. Ouais, ouais. Votre objet, en fait, sur Eloasso, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que vous êtes totalement flexible. C'est-à-dire que vous pouvez tout le temps tout modifier quand vous voulez. La présentation, votre page, vous pourrez toujours revenir dessus, changer des visuels, les modifier, modifier votre texte, rajouter des infos, en retirer. Vous pourrez également modifier votre date de fin de campagne.
et vous pourrez modifier votre objectif financier. Toutefois, ce qu'on vous conseille fortement, c'est si jamais vous touchez à l'objectif financier, si vous touchez à la date de fin de votre campagne, ce sont vraiment deux éléments très stratégiques. Il faudra le justifier et le communiquer à votre réseau, à votre communauté. Parce que, par exemple, je sais pas moi, vous avez un donateur qui vous fait un don parce que et il a vu que votre campagne était avec un objectif de 10 000 euros, mais que 3 semaines après, vous avez augmenté votre objectif, je sais pas moi, à 20 000 euros, bah, il va peut-être pas comprendre. Donc, il faut en effet fait que vous puissiez justifier. Justifier, voilà, justifier toujours pour ce souci de transparence avec vos donateurs. En fait, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que les gens se sentent en confiance lorsqu'ils vont vous soutenir. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de donateurs, bah, votre premier cercle et votre deuxième cercle qui potentiellement vous connaissent. Donc, je pense que c'est ce souci de transparence, il va plutôt se jouer également sur le troisième cercle, c'est-à-dire potentiellement vos donateurs qui n'ont pas de lien avec vous, mais qui étaient voilà sensibles à votre projet, à votre cause, qui vont vous soutenir. Voilà, ces personnes-là, vu qu'elles n'ont pas forcément a priori de contact avec vous, voilà, il faut quand même que que les personnes voient que qu'elles peuvent vraiment avoir confiance. Dans les porteurs du projet et que le projet est viable et que la collecte, voilà, c'est quelque chose de sérieux, entre guillemets, quoi. Donc, si jamais D'accord. vous touchez à ces deux éléments-là, il faut, enfin, après, voilà, encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez, mais nous, ce qu'on conseille, c'est quand même de, voilà, de le communiquer. Ok, super, merci pour la réponse. Alors je vois. Alors oui, le support. L'atelier est enregistré. Oui, tout à fait. En fait, alors vous le recevrez pas demain lors de l'envoi d'email avec la présentation que je, bah, la presse que je viens de vous montrer. Tout d'abord parce que bah, en fait on va essayer de la remanier un petit peu pour qu'elle soit représentable en tout cas. Et puis on va la mettre normalement sur YouTube. Donc vous pourrez la retrouver sur YouTube quand elle sera montée, quand elle sera montée. Donc d'ici quelques jours, vous pourrez la trouver sur YouTube. Très bien. Est-ce opportun d'utiliser votre canal pour un projet au-delà de 100 000 voire 500 000 euros? Alors oui, on a vu des campagnes avec des gros montants hein, en termes d'objectifs. Donc oui, tout à fait. Après, comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous pensez ne pas avoir le réseau, en tout cas, pour atteindre votre objectif, il vaut mieux le revoir à la baisse et dans ce cas-là, hors Hello Asso, financer une partie de votre objectif via d'autres biais, via le mécénat, le sponsoring, etc. Donc, comme je disais, hein, tout dépend de votre communauté, de votre réseau et de votre capacité à fédérer autour de vous. Si vous pensez que vous pouvez atteindre ces grosses sommes-là, vous pouvez très bien lancer ce type de campagne sur Hello Asso. Voilà, vous splittez l'objectif, en fait. Le projet reste le même, mais vous allez splitter votre objectif. Ou alors, vous pouvez, si jamais vous avez plusieurs postes de dépenses dans votre projet, ben dans ce cas-là, vous pouvez dire, ben, ce poste de dépense-là, je vais le gérer sur Hello Asso, et les autres choses à financer, je vais les financer via d'autres sources de financement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Faut-il cibler une plateforme plus qu'une autre en fonction de l'objectif de la collecte? Alors, c'est-à-dire, si vous pouvez, n'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si vous voulez prendre la parole. Bonjour. Alors, c'est pas moi qui ai posé la question, mais en fait, en passant par Hello Asso, si je comprends bien, il n'y a pas de coût en fait à vous donner plus tard, comme dans la plupart des plateformes de crowdfunding, c'est ça? Nous, on est gratuit, voilà. Donc, il n'y aura pas de frais, il n'y aura pas de commission sur vos dons. Moi, je vous fais un don de 20 euros, vous serez versé en intégralité des 20 euros. En fait, nous, on se rémunère grâce aux contributions volontaires des personnes qui font des paiements pour les associations. C'est-à-dire que moi, au moment où je vais faire mon don pour votre club, au moment de confirmer mon paiement, Hello Asso va me suggérer de laisser quelque chose en plus pour Hello Asso. D'accord. Mais dans tous les cas, que je laisse ou pas pour Hello Asso, vous serez versé des 20 euros en intégralité.
Et également, voilà, comme on l'a dit avant, il n'y aura pas non plus de tout ou rien sur Hello Asso, c'est-à-dire que même si l'objectif n'est pas atteint, vous recevrez le virement de votre collecte. D'ailleurs, le versement se fait tous les mois. En fait, tous les mois, vous allez recevoir votre collecte au fur et à mesure. Ok, merci. Avec plaisir. Très bien. Alors, du coup, oui, Matt Escalade. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Oui, si vous pouvez. Bon, c'est Eloasso qui fait la présentation, donc je comprends bien que je ne vais pas citer d'autres plateformes, mais il en existe d'autres qui sont très connues. Et je me demande, en fonction des porteurs de projets et des objectifs de la collecte, si c'est un objectif plus sportif ou plus culturel ou humanitaire ou autre, si il faut quand même aussi cibler une plateforme plus qu'une autre. Ben, alors je sais pas s'il existe des plateformes de crowdfunding spécialisées dans des domaines, peut-être, hein. Après, c'est à vous de voir en fait. Si, enfin, je veux dire, si vous pensez que la campagne peut-être réussirait mieux sur une autre plateforme parce qu'ils ont un autre type d'organisation et d'autres services, bah, le but c'est quand même que vous réussissiez à financer vos projets, donc. C'est vous qui décidez Et qu'est-ce qui pourra. deuxième question, du coup, est-ce que c'est déjà arrivé que la même association fasse deux collectes pour le même projet, mais sur des plateformes différentes? Ou est-ce qu'on s'éparpille et c'est pas forcément très intéressant? Alors ça, du coup, c'est fortement déconseillé dans le D'accord. sens où, dans tous les cas, vous allez devoir communiquer à votre réseau, à votre communauté. Donc, si vous communiquez deux liens différents, bah déjà, ils ne vont pas comprendre. Et puis, ça veut dire que vous allez splitter en deux votre objectif. En fait, il n'y a pas de sens, en fait, ça pourrait carrément, en fait, voilà, vous desservir si vous faites ça. Il faut vraiment concentrer sur une plateforme avec une campagne, un lien de campagne à communiquer. Et puis c'est surtout cette jauge, en fait, cette jauge qui va se remplir. Si vous faites plusieurs campagnes à différents endroits, ben, ça veut dire que si jamais sur Hello Asso, il y a les trois quarts des dons qui sont faits et sur d'autres plateformes, quelques dons, ben, ces quelques dons-là qui ne seront pas faits sur Hello Asso, ils ne seront pas dans la jauge, en tout cas visuelle, dans Hello Asso. Oui, Donc, je comprends. vous voyez, Oui, d'autant en plus que termes sur de d'autres. stratégie, Je c'est pas comprends. conseillé. Ouais. D'autant plus que sur d'autres plateformes, si l'objectif n'est pas atteint, la collecte peut être annulée en plus. Oui, voilà, donc Merci, ça merci pour vos réponses. à prendre en compte aussi, oui. Très bien. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions ou d'autres points que je n'aurais pas abordés lors de la présentation? N'hésitez pas. Je reprends la parole, du coup, c'est Oui. toujours Matt Escalade. Vous disiez que les contreparties étaient quand même très très importantes pour favoriser les dons et voire Oui. favoriser des dons de montants supérieurs. Mais on peut quand même partir sur un premier don très très faible avec genre 5-10 euros sans contrepartie. C'est souvent comme ça que ça démarre, non? Alors oui, tout à fait. Après, je pense que le mieux, c'est. Alors après, tout dépend de la grille que vous voulez construire, hein, en fonction aussi de votre public. Après, c'est quand même bien de proposer une contrepartie pour tous les donateurs. Voilà, après, ça peut être pour un don de 10 euros, vous recevez un tote bag, par exemple, quelque chose qui coûte pas du tout cher, et puis qui fait quand même plaisir. Mais voilà, encore une fois, c'est à vous de voir. Il y a des assos qui vont plutôt proposer des contreparties pour les gros donateurs, pas forcément pour les petits dons. Mais disons que pour les donateurs, en termes de reconnaissance, etc., c'est quand même toujours chouette de recevoir quelque chose. Après, voilà. Sinon, c'est commencer votre grille, par exemple, à 10 euros. Pas proposer 5 euros, mais proposer 10 euros. Après, vous laissez la saisie du montant libre. Donc, même si moi, je veux vous laisser 5 euros ou même moins, 3 ou 4 euros, mais bon, c'est quand même rare des petits montants comme ça, bah, je pourrais toujours. Mais sinon, c'est commencer votre grille à 10 euros, puis faire par exemple 10, 20, 50, 100, 200 avec les contreparties. Comme ça, vous mettez des contreparties pour tous les dons que vous proposez, mais par contre, vous laissez la saisie du montant libre pour les plus petits montants.
ou là où il n'y aura pas de contrepartie. D'accord. OK. Ça peut, en fait, visuellement, quand vous allez avoir votre grille, c'est bien d'avoir une contrepartie pour tous les montants que vous proposez. Comme ça, le donateur verra que des montants de dons où il y a des contreparties qui sont proposées. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre désire prendre la parole ? Bon, bah écoutez, je pense que non. Du coup, je suppose que ma présentation était assez claire. En tout cas, je vous remercie tous. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos attentes encore une fois. N'hésitez pas à revenir vers nous. Tous les projets sont différents. Voilà, donc tous les clubs sont différents. Vous avez chacun, je suppose, vos propres ressources, etc. Donc, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. On sera ravis de vous aider par téléphone, voilà, de vraiment répondre à vos préoccupations, en tout cas au niveau de votre club. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. Dans la présentation qui vous sera envoyée demain, vous retrouverez toutes nos coordonnées. Et puis, donc, demain, vous recevrez le petit email. Donc, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Thank you.